Et y'a tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est au dernier épisode de notre Let's Play sur l'épisode final de notre Let's Play sur Pokémon Poké Park. Vous voyez, on a tous les esclaves de prisme. La dernière fois on s'était laissé devant Mew. Là le Arve Céleste. Alors là vous voyez qu'on a fait 6h21 de jeu. 6h21. C'est-à-dire qu'en tout du Let's Play. Ça c'est le 18ème épisode. Voilà, ça fait un moment. Allez. Notre premier let's play qui a la fin. Qui est fin. Alors, Mew, c'est pas de la tarte. Hein. Ouais. Alors, on s'était laissé là. Ça risque d'être un peu long. On devait chercher Mew vu qu'il y a cache-cache. Voilà. Alors, si vraiment vous n'avez pas vu, on vous invite à aller voir la vidéo. Là, il y a sur la mèche. Allez, faut aller trouver Momo, je sais déjà. Ça va être très bizarre, moi, ce moment. Alors là, ça va être la fin. C'est la fin, la dame en haut. Oh purée, tu te cours pas. Ah, là, il y a. Oh, qu'est-ce qu'il y a? On va voir. Oh là, on va y aller. T'as toujours pas trouvé Mew? En attendant, ne crains rien. Je garde la montgolfière. Voilà. Et là, on doit chercher Mew. Et là, ça va être très très dur vu qu'il va nous mettre des séries d'épreuves. Et la plus dure, c'est celle où il faut faire le jump. Le jump, c'est le plus dur. Parce que le jump, on a vraiment galéré. Ou peut-être le cache-cache où il faut attraper Mew. Ah, c'est ça, cache-cache. Non, ça, c'est Germignon. Et Mew avait dit qu'il peut. L'autre avait dit que Mew peut se transformer au Pokémon qu'il veut. Alors, on va monter là. C'est ça le jump. Je pense que c'est pas ça. Donc ça sera facile. Ah. On cherche Mew, hein. Oui, je sais. Oui, non, mais je dis pour les autres. Ouais. Allez. Où es-tu, Mew? Je te cherche. Je crois qu'il est pas là-haut. Non, je crois pas non plus. Ah, regardez. Mais attendez, petit plouf, il est là en bas. Eh ben oui. Je crois que vous en doutez. Attendez, je vais juste montrer un truc. Ah mince. Mew n'est pas ici. Ouais, c'est ça. C'est ça. Regardez. Il est tout en bas. Petit plouf est tout en bas en fait. Allez, va. Regardez l'éclat de prisme là en haut. Il est pas fini. Hein, petit plouf. T'es tout en bas, tu gardes la mogolfière, il paraît. Hein? Mew n'est pas ici. Ouais. Bah oui, vous vous en doutez tous que lui. Tu veux faire quoi du coup? Petit plouf en bas. Oh super. Oh j'adore. Je peux le dire. Je peux le dire. Mais tout le monde sait ce que c'est. Petit plouf c'est Mew là. Voilà. Petit plouf qui est ici. Mew s'est transformé en petit plouf. Voilà. Il a pris la forme de petit plouf. Et tout ça me rend très nerveux. Moi je suis gentil. Et regardez-moi ça. Il est ici. Petit plouf. Et le vrai petit plouf est près de la montgolfière. Il faut, c'est Mew en haut. Hein? Non, j'ai pas bougé d'ici. Hein? J'étais de l'autre côté du. Hey, si c'était retourné là-bas, là-bas vite. Attends, désolé. Aujourd'hui, vous aurez aussi l'épisode Skyblock. On a qu'à se revenir. Ouais, il faut retourner là-haut? Donne, je peux faire. C'est bon, je suis bon, Jim. Alors, t'es d'accord que je suis meilleur que toi en jump? Alors, eh bien, pourquoi c'est un R grave? Tu as trouvé Mew? Ouais, c'est toi. Oui, c'est toi. Ah, tu penses à quelque chose? Est-ce que c'est boum à ça? Je n'arrive pas à croire que tu m'aies retrouvé aussi vite. Vous êtes vraiment de très bons amis. Le prisme céleste a été détruit quand les habitants du Poké Park ont arrêté de bien s'entendre. Mais vous les avez réconciliés. Le prisme est sur le point de se régénérer. Il faut juste un tout petit plus de lien. Je sais, allez Pikachu, joue ensemble. Ouais. Si nous devenons amis, le prisme pourra se reformer.
Faisons tout plein de défis, ouais, j'adore. C'est les meilleurs défis de tous les amis, quand même. Même dans un moment pareil, j'ai envie de m'amuser avec toi. Et ne compte pas sur moi pour perdre exprès. Il faut jouer ensemble de toutes nos forces pour être de vrais amis. Tu es prêt? Oui, Salamèche, oui, je suis prêt. Allons-y, let's go. Oui, c'est les duels, ça. C'est parti, les amis. Ça, je sens que c'est les duels. Non, c'est le jump. Non. C'est le jump, il faut... Oui, c'est le jump. T'es sûr? Oui, c'est le jump. Non, c'est pas le jump. C'est ça qui est à la fin. C'est pas le jump. Non, ça, c'est le truc qu'il faut faire d'abord. Non, c'est pas le jump, c'est... Je te dis que c'est ça qu'on doit faire en premier. Bah, tu t'essayes une fois, après si t'y arrives pas, je fais. C'est quoi déjà pour sauter? C'est deux. En plus, on n'a pas de checkpoint. Ouais. Allez, on passe. Une heure et on avait rage-kit. Plus on s'amuse, plus on devient amis. Allez, un duel, je vais me transformer. Ça, c'est pour moi. En plus, il va se transformer, je crois. À des Pokémon légendaires. Ouais. Des Pokémon légendaires mélangés. Mais regardez. Et voilà. Trop stylé, Maganon. C'est le méga. Alors, qu'est-ce qui est le plus fort? Les flammes de Maganon? Ou ton tonnerre en garde? En plus, j'ai plus de vie. Ah, il faut augmenter les vies, c'est vrai. Oui, fais mal, je le fais mal. Ça va, il est encore le bouffon. C'est ça? Non. Bon, ça va, il est pas très dur. C'est un peu plus légendaire, mais... Ok, easy. Ok, cool. Voilà, en fait, cette vidéo, je pense qu'elle durera pas trop longue. Mais en tout cas, j'espère que... Et voilà. Eh bien, bravo. Maintenant, essayons avec ce Pokémon. Ce sera Mewtwo, je crois qu'il y en aura. Il y aura Mewtwo mélangé avec quelqu'un d'autre. Ah, Karchakrok. Ya. Attends, je... tonnerre, petite tête. Là, il faudra pas faire avec le tonnerre. Parce que lui, c'est un Pokémon tonnerre. Oh non. Après, il va se mélanger... Ah, je dis pas, mais après, il va se mélanger avec tous les Pokémon qui... Là, j'ai essayé. Il court comme Naruto, comme nécessaire. Yu-Gi-Oh! Regarde, j'ai fait un coup de fer là! Ouais! Ça fait mal! Yeah, gagné! Réussi! Oh purée! Oh! J'ai peur! Yuuu! Désolé! Oh non, je suis plus fort que toi. Attends, et là je suis chaud, hein. J'ai pas perdu une fois. Moi qui l'ai fait. Ouf, il a failli mourir. C'est incroyable. Même Karchakrok n'était pas assez fort pour te battre. Mais heureusement, on a deux vies en spécial pour le dernier duel. Regardez. Incroyable.
Ah ouais, Tyrannosif. Allez. Tyrannosif, il aide les fers au tonnerre. Tyrannosif, ouais. Ah oui, il aide les fers. Mais normalement, c'est un Pokémon tonnerre, lui aussi. Ouais. Ou un Pokémon normal. Oh purée, il lance quoi? Du caca. Des lasers. Oh purée, mais je savais pas qu'il peut taper des pieds, ça me fait mal. Taper les pieds. Taper les pieds. What the hell? Ah! Non, pas taper les pieds! Attends, Pikachu, il va pas vite là! Relax, Pikachu! Oh, on a des discorde en plus! Tu vas crever! Ah non! J'ai rien dit, mais. Je suis désolé. Go, 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 go! Dernier, dernier! Non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier! Oh, après, il y aura le cache-cache horrible! Ouh là là! Qu'est-ce qu'on. Oh, pas de bol, t'es à ça. Bah, va refaire. Il faut se retaper les. Tous. Non. Juste, tiens. Hourra, j'ai gagné. Oh, désolé. Mais si j'étais en train de. Vous êtes sérieux? Attends, si je dois tout recommencer. Ah, non, ça va. Je recommence pas tout fort. Ouais. T'imagines, t'aurais dû tout recommencer depuis le début. Ouais. Attends, me dire non si, il me fait peur. Tu sais quoi, je vais faire code fer sur lui. Code fer. Non, mais il est sérieux. On a trois étapes différentes. La vitesse, le tonnerre et le code fer. Et si. Mais non, mais attends, j'ai pas assez de vie. C'est quoi que je vais le battre, Tyrannosif? J'ai pas assez de vie, c'est horrible. Mais c'est bon, attends. J'ai que deux vies, comment tu veux que je le fasse, moi? Attends. Bon, je vais faire du tonnerre, que du tonnerre et du tonnerre. Ouais. Je te ressens mon Tyrannosif et voilà. Tira, 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 nocif, allez, regarde. Mais attends, attends, lui, il a combien de vie? Oh non, non! Non, mais il est sérieux, attends, j'étais en train de faire mon tonnerre. Oh, encore un coup, non, deux coups. Pikachu ne vise pas bien. Bon, ça va être compliqué. Cette vidéo va faire un petit peu long quand même, je crois. Bah, ça va être plus long que les d'habitude. Après, mais... après, le dernier défi, ce sera la course. Ou au pire, si on n'y arrive vraiment pas. Quoi? Pourquoi? Ah, on doit retourner. Ah, j'ai cliqué. J'ai perdu. Après, le dernier défi, ce sera la course. On devra courir contre Mew, mais Mew il est en bataille pour le coup. Bon, on a déjà ici parce qu'on a fini le jeu. Quand on s'est dit en bataille, c'est-à-dire super dur. GG, bravo. Oh merci, désolé. Il me restait une vie là, c'était chaud, j'avais peur. J'ai perdu. Pourtant, j'avais gardé cette transformation pour la fin. Dans ce cas, il ne me reste plus que... Oh, dernier défi, faisais la course. Ça, c'est toi. La course. La course. Faisais la course. Elle est horrible, cette course.
t'as gagné le jeu. Peut-être pas encore. Peut-être. Non, c'est fini. Tu m'as attrapé. Maintenant, on est amis. On a fini le jeu. C'est bon, Lily. Je sais que c'est bizarre de se réjouir d'avoir perdu un défi. Mais je suis vraiment content d'être devenu ton ami. Grâce à cela, le prisme céleste a retrouvé sa force. Hé, mon pressentiment était juste. Je vous ai fait venir au Poképark parce que j'étais sûre que vous arriverez à convaincre tout le monde de redevenir ami. Je ne pouvais pas me tromper la première fois que je vous ai vu. Vous jouiez ensemble avec tellement d'enthousiasme. Merci d'avoir réconcilié tous les Pokémon. Allez, rassemblons-les tous autour du prisme céleste. Et oui, c'est la fin. Vas-y. Regardez-le. Vas-y, vas-y. Pikachu. Un petit quirk. Allez, Pikachu. Renformons le prisme avec les éclats que tu as récoltés et les amitiés que tu as liées dans le Poképark. Et oui, les amitiés, ça compte aussi. Le prisme céleste, il était cassé, le prisme céleste. En fait, et oui, les amis, ça compte aussi pour finir le jeu à 100%. Bon, on aura quand même fini le jeu, mais ça compte aussi pour finir le jeu. Regardez, là en fait, il était cassé, le prisme. Ouais, voilà. Et là, tous les prismes qu'on avait, se sont réunis. Et ça fait un prisme géant. Écoute. C'est tous les amis que nous avons écoutés. Un petit peu vouillant. Mais on n'a pas fini, hein, les amis. On est loin là au fond. Et là, vous allez voir, là, c'est très beau. Oh, il pleut des étoiles. On dirait qu'on monte, en fait. Là, c'est le moment où personne parle et qu'il faut admirer. Là, on passe. Pokémon peuvent participer aux attractions. Veux-tu sauvegarder ta profession? En tout cas, si vous avez aimé ce let's play, n'oubliez pas de laisser un gros pouce vert, de dire dans les commentaires comment vous avez aimé ce let's play, et
de nous dire si vous voulez que on va finir. Ouais. Et puis Jaco m'a dit que des Pokémon super forts étaient venus droit aux attractions. Des Pokémon super forts, plus que Brazegali, essayent de te faire encore plus d'amis et retournent voir Mew. Il a dit que plus tu as d'amis, plus il y aura de jolis arcs-en-ciel. Ah, oh, cool. J'aimerais vraiment beaucoup le Poképark. Ah, j'aime vraiment. J'aimerais continuer à m'amuser ici pour encore longtemps. C'est vrai ça, puisque c'est fait tellement d'amis dans ce parc. Essayons d'en profiter un maximum. Tiens, juste devant la cabane. Un panneau, qu'est-ce que ça peut bien être? On va juste voir. Alors, il y a Pokémon Poképark 2 qui est sorti. Je sais pas s'il est sur la Wii ou la Wii, mais... Même le 3. Hein. C'est quoi? Même le 3. Le 3? Il y a le 3. T'es sûr? Oui, il y a le 3. Bon, voilà quoi, il y en a deux autres qui sont sortis, je crois que les autres. Je sais pas où on les trouve, les Pokémon Poképark. Oui, je l'ai eu en cadeau d'anniversaire. Non, je l'ai pas eu en cadeau d'anniversaire. Je rappelle plus, ça fait longtemps. Pourquoi je vais là? C'est devant la cabane, on a dit. Hein. Panneau devant la cabane. Oui, c'est dedans la cabane. On doit être là. On doit aller tout en haut. En fait, c'est tout en haut, là. Allez, tout en haut. C'est devant la cabane, ils ont dit. C'est ça. Mais oui. Bon, on se retrouve en bas. Voilà, on est en bas. Mais devant la cabane. C'est ce que je fais. Moi, je l'ai vu, le panneau. C'est bon. Oh, mais... C'est que là, on perd du temps. Derrière... Oh là, code. Après avoir rentré ce code, retourne à l'entrée du Poképark. Ok, très bien. Vas-y, passe. Signez les gens qui ont créé Poképark. Oui ou ah, les crédits. Oui. Veux-tu voir les noms des gens qui ont créé Poképark? Non, non, oui. Merci. Non, pour voir pour qu'on se finisse là. Mais non. Pourquoi? On va se finir ici. Non. Bon, en tout cas, si vous avez aimé ce Let's Play, n'oubliez pas de laisser un gros pouce vert, de nous dire dans les commentaires comment vous l'avez trouvé. Et en tout cas, ben, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus! Tu fais sauter Pikachu? Ouais, attends. Allez, à plus!